Depuis le début de l'année, le conte de fées de Loana s'est transformé en cauchemar. Excès d'alcool, consommation de cocaïne, les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Et le 4 février dernier, c'est la descente aux enfers. Ma meilleure amie m'a retrouvée inanimée, déshydratée dans ma salle de bain. J'ai toujours aucun souvenir de m'y revenir. Depuis 3 mois, la vedette de télé-réalité vivait cachée. Aujourd'hui, elle revient sous les feux des projecteurs en enregistrant un disque avec Massimo Gargia. Quelle est sa nouvelle vie ? Loana sort enfin de son silence. Mardi 12 mai, sur les Champs-Élysées, Loana et son producteur Alain Williams organisent une soirée dans un restaurant parisien branché. Une fête pour célébrer le retour de la jeune femme. C'est la première fois depuis sa sortie de l'hôpital au mois de février que Loana accepte qu'une équipe de télévision la suive. Massimo. La jeune femme vient retrouver le roi de la jet set, Massimo Gargia, un de ses nouveaux mentors. C'est une belle aventure, tous les deux. C'est une belle aventure quand même. Oui, c'est une très belle aventure. Loana et Massimo Gargia, une amitié qui a résisté aux épreuves traversées par la jeune femme. Le jet-setter a été l'un de ses plus fidèles soutiens ces derniers temps. Un mois après l'accident, ils ont enregistré ensemble la reprise de ce tube mythique. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Une chanson interprétée à l'origine par Dalida et Alain Delon. C'est un grand mérite de prendre la succession de Dalida. Non, on a repris la chanson et on l'a refaite un petit peu à notre sauce. On s'est beaucoup amusé à le faire et il fallait que je le fasse avec quelqu'un que je connaissais. Et j'ai été stupéfaite par Massimo. Il chante très bien. Cette chanson est extraordinaire. C'était un peu comme un poème sur la philosophie de la vie et de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ce soir ? On peut nous souhaiter que ça marche, que notre duo marche bien. C'est le nouveau duo Choc et Charme de la chanson. On espère. On espère. Un disque comme pour conjurer le sort et faire oublier ses déboires. Il y a 3 mois, Loana faisait les gros titres de toute la presse, devenant malgré elle une héroïne de faits divers. Ma meilleure amie m'a retrouvée inanimée, déshydratée dans ma salle de bain. J'ai toujours aucun souvenir de m'y revenir. Donc ça fait peur. Je sais que la porte de chez moi était ouverte, c'est comme ça qu'elle a pu rentrer. On m'a retrouvée, j'ai encore des bleus sur les jambes suite à ça. Mais j'ai aucun souvenir. Rien n'a été volé chez moi, par exemple. Il y a juste moi qui avait des bleus au visage et beaucoup de d'éraflures sur les jambes. J'en ai encore. Même encore tout à l'heure, en prenant ma douche, je les vois et c'est un gros point d'interrogation de savoir de ce qui a pu se passer. Et puis j'ai quand même de belles traces. La mémoire ne lui est pas revenue. Elle n'a pas porté plainte. L'enquête a du coup été classée sans suite. Depuis 3 mois, Loana vit quasiment recluse. Loin de ce monde de paillettes qui l'a tant fait rêver et dont elle a compris aujourd'hui qu'il n'était qu'un miroir aux alouettes. On se sent toujours un petit peu seul quand il y a tout le monde qui vous reconnaît ou vous rentrez chez vous le soir. Moi, je sais que je suis toute seule avec mes 2 petits chiens et on se sent beaucoup plus seul. Même quand on fait des concerts, ce genre de choses, on se retrouve tout seul dans sa chambre d'hôtel. C'est très différent. Voilà, on peut être entouré de beaucoup, beaucoup de personnes et puis le soir, se retrouver toute seule. Et ce disque, pour elle, est un nouveau départ. Par moments, je ne comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Mais comment affronter la critique et le regard des autres quand votre histoire a été jetée en pâture à la une des tabloïdes ? Comment être crédible comme chanteuse quand on reste aux yeux du monde la bimbo d'une émission de télé-réalité ? Bernard, à gauche. Bernard, s'il vous plaît. Bernard. C'est une fille extrêmement sensible, qui a eu des moments difficiles dans sa vie, qui en a encore. Elle a traversé des moments qui auraient pu lui faire perdre cette capacité à s'émouvoir et à s'émerveiller. Elle l'a toujours. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous faites juste en playback. Ah, ben voilà. En playback. Je t'adore. Vous la connaissez en playback ? Oui. J'adore. J'ai les mots. C'est toi qui commences. Allez, allumez les pétards. Allez, tac, 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 c'est parti. Sur le pont. Ce soir, dans la salle, s'il y en a bien un qui a besoin d'être convaincu, c'est Orlando, le frère de Dalida. C'est une fille qui a du courage et qui a plutôt la sympathie, voilà.
et je lui souhaite beaucoup de succès. Je ne sais pas si la chanson, ce sera vraiment la va prendre parce que je m'en tirerai. Et donc, mais je pense que c'est une fille qui a du talent à sa manière et qu'elle s'en sortira comme le phénix. Souvent, elle renaîtra de ses cendres. Loana aussi veut croire en l'avenir et faire une bonne fois pour toutes table rase du passé. Je t'en prie. Oui, oui, toutes ces histoires où j'ai pu être arrêtée par la police pour cocaïne. Malheureusement, voilà, j'ai essayé, on m'est tombé dessus. Non, tout ça, c'était derrière moi. Maintenant, j'ai une vie plutôt saine, assez rangée. J'ai envie que mon album sorte et je me repose tranquillement. On va dire plus que le repos et le travail sont plus ma dominance. Loana devrait sortir dans la foulée un album intitulé « I have a dream », « J'ai un rêve », celui de rester tout en haut de l'affiche.